Dans 3 mois, nous irons voter aux élections européennes. Le 26 mai. Et vous avez jusqu'au 31 mars pour vous inscrire sur les listes électorales. Mais alors voter pour qui? Et pourquoi? Pour bien voter, les propositions concrètes, c'est essentiel. C'est pourquoi nous avons créé la Déclaration d'Amsterdam. La Déclaration d'Amsterdam, c'est notre programme pour les élections européennes. Et c'est le même programme que nous utilisons pour toutes nos campagnes en Europe. Il a été élaboré de manière participative par nos membres et soumis au vote de tous. Parce que c'est ça la démocratie. Mais alors, il y a quoi dedans? La Déclaration d'Amsterdam a 3 axes. Rénover l'Europe, en créant une Europe politique forte, en donnant le pouvoir d'agir aux citoyens et en renforçant notre sécurité. Faire de l'Europe un moteur économique, en stimulant la croissance et en améliorant les niveaux de vie, en investissant dans l'avenir et en donnant la priorité à l'éducation. Et enfin, bâtir une société juste et responsable en lançant la transition écologique, en gérant l'immigration de manière solidaire et avec humanité, et en œuvrant pour l'égalité de tous. Mais alors, en quoi est-ce différent des autres? Tous les 5 ans, les partis européens écrivent un manifeste tout rose sur l'Europe et les partis nationaux ne parlent que de sujets nationaux. Au final, pas de projet européen et pas de discussion sur l'avenir de l'Europe. Du coup, personne ne sait qui fait quoi au Parlement européen et personne ne se sent représenté. Nous proposons des engagements concrets sur lesquels tous nos députés vont travailler. Quelle que soit leur nationalité. Parce que c'est comme ça que se construit une démocratie européenne. Vous trouverez le lien de la Déclaration d'Amsterdam dans la description. Lisez-la et rejoignez-nous. Agissez maintenant.